Et bien sûr, tout ici, Super Misé 63 pour une nouvelle vidéo sur du Bleach. Bref, sous les amis, pour enfin la petite review sur Tokinada. Mieux vaut tard que jamais. Mais avant de commencer cette vidéo, les amis, bonne année à tous. Bonne année à tous. Meilleurs voeux. Je vous souhaite que du bonheur, de l'argent, la santé, ça c'est important. L'amour. Voilà. Tout ce que vous voulez, les amis, je vous souhaite tout, voilà, que des bonnes choses, voilà. Du coup, voilà, c'est la première vidéo 2020, voilà, c'est important de le dire, voilà, première vidéo 2020, mais aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, vous aurez pas une seule vidéo, mais trois vidéos en un seul jour, oui. Comme ça, je vais vous le dire. Il y a cette vidéo, BG Brave Soul, et deux vidéos sur Monster Hunter World Iceborne pour la fin de mon aventure ou pas. Voilà, c'est ça mon titre. Et il y a deux parties en fait. Et du coup, normalement, il devait faire une seule vidéo. Mais la vidéo, elle dure 1h30. C'est beaucoup trop long pour vous. C'est beaucoup trop long. Du coup, je me suis dit que c'est mieux de le faire en deux parties. Du coup, une vidéo de 30 minutes et l'autre de 1 heure. Voilà. Je pouvais pas faire trois parties ou je sais pas combien. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire deux parties pour cette vidéo. Du coup, voilà, vous aurez trois vidéos aujourd'hui. Je compte sur vous d'aller regarder. Voilà, c'est la fin de l'aventure, mais peut-être pas, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Du coup, voilà. Aujourd'hui, les amis, c'est pas le plus important. Enfin, le plus important. Au moins, je vous ai prévenu qu'il y aura trois vidéos aujourd'hui. Normalement, si tout se passe bien. Le Tokinada, voilà, le Tokinada. Vraiment, vraiment, vraiment très très fort. C'est un truc de ouf. Et on va analyser ça avec vous. Alors, c'est parti, hop, Tokinada. Franchement, je suis pas déçu de ce perso. Il est vraiment, vraiment très très fort. C'est un truc de ouf. C'est un perso roman, hein. C'est un perso roman. Il n'est pas dans l'animé, il n'est pas dans le manga. Il est dans le roman, les amis. Et franchement, il est fort. Il est fort parce que c'est un mec qui copie les Zanpakuto des Shinigami en fait. Et du coup, il a son Zanpakuto, mais son Zanpakuto, pardon, son Zanpakuto, et bah il copie tous les autres Zanpakuto des Shinigami. Genre le Zanpakuto de Byakuya, Zanpakuto de Ikkaku, Zanpakuto. N'importe quel Shinigami, il peut copier en fait. Voilà, si je me trompe pas, peut-être. Voilà. Mais voilà, Tokinada est très très fort parce qu'il peut copier tous les Zanpakuto. Et ça, c'est vraiment très cheaté. Voilà, c'est vraiment très cheaté. Du coup, allons commencer ça. Alors, endurance 1100. 1100, oui. Voilà. 773 d'attaque, 372 de défense, coup critique 361, pression spé 632. Là, vous avez vu que l'attaque est plus que la pression spé, pardon. Du coup, il faut faire un build d'attaque. Voilà. Tueur Shinigami, ça c'est parfait parce qu'on a beaucoup de quêtes avec des mobs Shinigami. Du coup, c'est plutôt pas mal. Attaque spéciale. Enra Kyoten, entonnant d'une voix malfaisante son incantation, il libère le véritable pouvoir de son Zanpakuto, infléchissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Voilà. Soultrait des dégâts des attaques normales plus 25%. Ça, c'est parfait pour son build d'attaque. Du coup, voilà. La transcendance, eh ben, je vais faire ça avec vous. Tac. On va mettre de l'attaque, pas de la pression spé cette fois-ci, on va mettre de l'attaque, voilà, plus 50, hop. Et maintenant, il atteint les 823 d'attaque, voilà, c'est parfait, c'est magnifique, vraiment très 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 puissant. Résumé, alors, là, comme vous avez vu, il a deux attaques, enfin, il y a, comment dire, là, vous voyez, il y a principal et secondaire. Ça veut dire que là, un coup il fait des strong principales et un coup il peut faire des strong secondaires.
Du coup, il est vraiment, vraiment cheaté, je trouve. Parce qu'il a plusieurs attaques différentes et ça change son gameplay en fait. C'est vraiment, vraiment intéressant. Du coup, voilà. Regardez. Du coup, c'est des attaques bleues. Du coup, des attaques à distance avec un petit boost en plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Il a une probabilité de mettre de l'affaiblissement dans son coup, dans son attaque spéciale. Il a une probabilité de mettre comment dire? De mettre de enflammer, voilà, pardon, je cherchais ce mot, d'enflammer ses mobs dans ses strong dans sa strong 3 en secondaire. Il a une probabilité de mettre du gel dans sa strong 1, dans les secondaires aussi. Du coup, vraiment, vraiment très puissant. Dégâts des attaques normales augmentées 45%. C'est waouh. Attaque puissance dévastatrice 50%. C'est waouh ça aussi. Résistance à la paralysie 100%. Il est immunisé contre la paralysie. C'est vraiment parfait. Attaque normale déchaînée. Soutien. Rapidité plus 1. Et finesse. Finesse, je me demande c'est quoi parce que ça me dit rien. Du coup, dites-moi dans les commentaires. Parce que je vois pas qu'est-ce que c'est en fait. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà. Je vais vous montrer dans un instant. Dans un raid. On va aller chercher ça. On va chercher un boss Shinigami. De toute façon, il y en a pas mal. Normalement. Hop. Tac. Oui, comme vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup d'orbes. Enfin, ouais, j'ai 549, j'en avais 136 la dernière vidéo sur Bleach Brave Soul, sur la vocation du step-up. Du coup, je me débarrasse des orbes, mais on en farm après, hein. Ah bah oui, hein. Là. Comme ça, on sera prêt pour la prochaine bannière qui sera intéressante. Alors, un Shinigami. On va y aller dans les 5 étoiles. En orange, en orange. On va tester lui. Ouais, on va tester lui. Le Kisuke. Allez, Ourara. C'est parti. Hop. Oula, il y a un petit blocage. Je suis vraiment désolé, j'ai un PC de merde. Voilà. Tac. Allez. Allez, 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 allez. Voilà. Avec les petits bonus, bien évidemment. Et c'est parti, les gars. Hop. Et comme d'habitude, les amis, le chargement va être long. Du coup, on se retrouve tout de suite. Allez. Re, les amis, du coup, voilà le Tokinada. Hop. On va tester les attaques combo. Hop. Franchement, très très rapide. Attaque distance. Attaque combo à distance. Très 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 rapide, je trouve. L'attaque, la première strong. Hop. Je pense que ça, c'est l'attaque de Okitake. Si je me trompe pas. On va retester la première strong parce que ça va changer normalement. Ah non. Là, ça a pas changé encore. Ok. On va tester. On va retester. Alors, attention. Ah non, ça change pas. Normalement, ça change. On va tester la deuxième strong. Ça fait un petit boost. Voilà. Je vois pas c'est à qui. Du coup, je pense que c'est à lui le boost. Hop. Ok, ça change pas. C'est bizarre. Normalement, ça change. La troisième strong. C'est comme la Reietsu. En fait, comme Unohana. On va retester la première strong. Bon, ça change pas. Normalement, ça change, les gars. Du coup, vous allez regarder. Hop. Voilà. Alors. Hop, il y a des mobs cachés. Tac, tac. La première strong, voilà. La première strong est très, très, très puissante. Troisième strong, Unohana, vous voyez. Hop. La première strong. Normalement, ça change. Mais là, je comprends pas pourquoi ça change pas. La deuxième. La deuxième strong avec un petit boost. Tac, tac. Vous voyez comment il est très très fort. C'est un truc de malade. Hein, un truc de malade. Et là, c'est juste des strong. Et que Tokinada, il est spécialement en attaque. Et l'attaque, c'est juste des attaques. Ces attaques combo, c'est tout. Après, les attaques strong, c'est pas important. Voilà.
Hop, deuxième strong, tac, tac, tac. Bam, 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 vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Hein. C'est le Tokinada, il est vraiment, vraiment très, très fort. Vous voyez, juste des attaques combo, je fais mal au mob. Hein. Bon, là, je suis mort, parce que le truc que c'est dommage, c'est que Tokinada a pas assez de défense, je trouve. Voilà, c'est ça le truc. Hop, voilà. Mais je vais vous montrer l'attaque combo. Hop, vous voyez, c'est vraiment très 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 fort. C'est un truc de ouf. Hein. Le Tokinada, y a rien à dire. Il est très très fort comme Ikone. Franchement, les bannières de Can't Fear Your World ou le truc bordel là, j'arrive pas à le dire. Mais les plus puissants persos dans ces bannières, je trouve que c'est Tokinada et Ikone. C'est un truc de ouf. Hein. Regardez. Juste l'attaque combo. Hein. Et en plus, les gars, c'est sans les... comment dire, sans build. C'est ça. Hein. Sans accessoires. Sans de Karalink. Vous imaginez? Avec accessoires et Karalink, il sera monstrueux. Ça sera un monstre. C'est un monstre. Du coup, les amis, ça vaut le coup d'aller le chercher. Parce que Tokinada, voilà, il est... c'est quelque chose. C'est vraiment très très fort. Hop, le petit boost. Voilà. J'augmente mes attaques, bien évidemment. Tac. Je fais la première strong. Au calme. Je m'amuse. Tac. Mais le seul truc, comme je vous ai dit, c'est sa défense. Sa défense, voilà, il est un peu médiocre. Voilà. Hop. Parce que franchement, il prend cher. Il prend 300 de dégâts. C'est quand même quelque chose, quoi. Hop. Et du coup, on est arrivé chez le boss. Je vais vous faire montrer son attaque spéciale. Hop. Voilà, je vous laisse admirer. Et en plus, il a truc. Comment dire? Il a la façon qu'il tient son sabre. C'est comme Unohana. Et en même temps, il a le même aptitude que Byakuya. Là, comme là, vous voyez. C'est, à mon avis, ça, c'est l'aptitude. C'est quand il a copié le Zanpakuto de Byakuya. Du coup, voilà. Du coup, Tokinada, il peut copier toutes les sabres des Shinigami. Voilà. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, voilà. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, lâchez des commentaires s'il manque quelque chose à dire ou un truc comme ça. Voilà, sans crier et tout, bien évidemment, les amis. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, les reviews, c'est tout nouveau pour moi. Je m'améliore petit à petit, voilà, franchement, petit à petit. Et si vous voulez donner un petit conseil, eh ben, n'hésitez pas, je prends. Voilà, voilà. Du coup, voilà, le Tokinada, il vaut le coup d'aller le chercher. Du coup, parce qu'il est vraiment, vraiment très, très puissant. Du coup, voilà. Du coup, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus. Ça me ferait extrêmement plaisir de votre part. Lâchez des commentaires, des questions, des idées. Vous inquiétez pas, je vais les lire et je vais vous répondre. Ne soyez pas timides, c'est rien, je vais profiter que je vous réponds parce que, voilà, on n'est pas beaucoup, je peux vous répondre, mais à un bout d'un moment, quand on sera beaucoup dans ma chaîne, malheureusement, je pourrai pas vous répondre. Et là, voilà, profitez, je réponds à tout le monde, je fais pas de vent et tout, voilà. Je reçois une notif d'un commentaire, je le lis et je vous réponds. Du coup, voilà, si vous voulez, lâchez un petit commentaire. Voilà, tout simplement. Et le plus important, les amis, si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube, eh ben, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça va soutenir ma chaîne. Et en plus, ça me ferait extrêmement plaisir. Encore une fois. Voilà, il y aura du Bleach Brave Soul et du Monster Hunter World Iceborne. Et si vous voulez encore plus me soutenir, et ben n'hésitez pas d'aller en dessous de la vidéo, il y a la description et il y a un lien Utip.
En regardant des pubs de 20 secondes, et ben vous pouvez me donner quelques centimes grâce à vous si vous voulez me soutenir encore une fois. Du coup les amis, merci de m'avoir regardé encore une fois et moi je vous dis ciao bye bye pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, moi je vous dis ciao bye et merci de m'avoir regardé.